J'ai concocté une potion qui devrait rendre leur état normal à ces plantes, théoriquement du moins. Lancer les fioles de remède sur les flagellants des jardins catalyseurs. Si ça fonctionne, tant mieux. Dans le cas contraire, vous n'aurez plus qu'à leur régler définitivement leur compte. Tuer 30 ligneux conscients et 6 ligneux carnivores. Okay. Quelle est la prochaine cible? Vous voyez cette structure flottante là-haut dans le ciel, c'est le catalyseur de création. Je ne peux pas m'en approcher en l'état actuel des choses. La tour est par trop saturée d'énergie. Des progéniteurs, ce serait du suicide. Vous trouverez dans le jardin des consoles permettant de décharger le surplus d'énergie. À vous de jouer. Décharger le surplus d'énergie du catalyseur de création. Traitant. Revendreth doit survivre. Moi, c'est moins important. Débroussailler. Tant de joie et de félicité. Je vais suis hors de débroussailler portée. Tout ça. Tant de joie et de félicité. Tant de joie et de félicité. Ouais, bref, sa position, c'est du pipi de chat, quoi. Ouais, je n'ai pas de cible. Ma lame est toute gluante de sève. On va se concentrer sur les consoles. Bon. Merde, ça n'a pas marché. Remets une... Voilà. Débroussailler. Tant de joie et de félicité. Débroussailler tout ça. Ah.
Ah bah super. Il me faut une cible. Je dois d'abord choisir une cible. Bon, en vrai, on va se passer d'elle, hein. Mais parce que malheureusement, il y a eu la réinitialisation des PNJ et du coup, bah, elle est retournée à la zone de départ, en fait. Je n'ai pas de cible. Bon, elle est où cette console? Elle est là. Oh oh. Oh oh. Ça cogne à 2000.
bien sûr. En fait, j'avais pas compris, quand j'active la console, il y a deux mobs qui apparaissent. Du coup, faut faire le ménage avant d'activer les consoles, c'est pour ça que je me suis retrouvé en difficulté. Mais bon, j'ai géré. Je dois m'approcher. Je suis trop loin. Bon, lui, c'est le dernier. C'est le dernier ligneux carnivore que je bute. Mais faut que je me focus plus sur les. Sur ces trucs-là. Je dois d'abord choisir une cible. Là-bas. Il y en a un là-bas. On va essayer d'esquiver le... Hop. Bon, il m'en reste 8 à buter, j'ai plutôt focus les fragments là parce que plutôt que de me battre inutilement. Oula. Non, non, non. Non, non. Oui, voilà, je préfère. Hop. Voilà, comme ça je le bute et puis je passe au truc suivant parce que. Merde.
Là, je vais pas pouvoir esquiver le combat. Évidemment. Vu que mon marcheur du vide a une attaque de zone, il vient de foutre un merdier monstrueux. Ouah! C'était quoi cette attaque? Mon marcheur du vide, il s'est pris 20 000 points de vie dans la gueule là. Mon marcheur, il a pris 28 000 points dans la gueule. J'ai vu sa vie faire pomp. Il est passé de un peu plus de 20 000 points de vie à 400. J'ai pas compris. C'était wow. Est-ce qu'on vient récupérer 9. Il me reste plus que 2. Ah mais s'il vous plaît, là, les quoi 5000, là, on se calme. Pourquoi mon marcheur, il est pas réapparu? Bon, ok. Je les ai plus mes bandages? Ah, j'avais pas refait de bandage. Ce serait bien que je refasse quand même un de ces quatre. C'est pratique. Bon, enfin bref. Ah, puis les ligneux, j'ai pas fini, mais voilà. Bah, c'est mes deux derniers ligneux. Hop. Allez, on va rendre toutes les quêtes. Et après, je vais faire une petite pause parce que ça fait 4 heures que je tourne sans m'arrêter là et je fatigue. Il me reste encore un peu de temps de tournage, mais la fatigue se fait sentir.
Salutations sans entrave. Nous atteindrons bientôt ce catalyseur de création. À présent, reste à élaborer une stratégie. La stratégie est toute vue. Je passe devant. Hé, revenez ici tout de suite. Mais quel boulet! Bon, je fais une petite pause et je reprends dans un instant. Bien, après cette petite pause, on va récupérer les bêtises à Draven. C'est drôle, ça me faisait plaisir de les revoir ces deux-là, Draven et Nadia, mais je sais pas pourquoi je regrette. Oh, sérieusement, le torse? Alors que je viens d'avoir un... Je viens de le changer. C'est les mêmes, hein. Ah, non. Celle-là peut être... Certi. Donc ce sera la blouse cristallique qu'il faudra prendre. M'emmènerez-vous la prochaine fois? Ça fonctionne! À notre prochaine rencontre. Ça fonctionne! Ah! Il y a quoi, que je tape plus fort? Les attaquants subissent des dégâts de nature. D'accord, donc j'inflige des dégâts supplémentaires. Bon. Il est où cet imbécile? Bon. Et apparemment, il faut juste que je fasse des dégâts. Alors je vais essayer de m'attaquer à un plus gros. Oh
Contre, ouais, j'ai l'impression que je suis plus rapide, enfin que mes... Que je peux... Comment que mes sorts sont plus rapides. En fait, j'ai l'impression d'avoir une hâte d'enfoiré, quoi. Mais même mon regard noir, en fait, il tire en rafale, quoi. J'essaie de m'en faire deux en même temps parce que j'ai l'impression que... Je dois d'abord choisir une cible. Non, c'est ouf, et je vais être comme ça en champ de bataille. Hein. je veux ce pouvoir en étant au champ de bataille. Hein. Bah, il est là, Draven, en fait. Je suis hors de portée. Je n'ai pas de cible. Je suis trop loin. Ouais, franchement, c'est pas la même. Hein. Je dois m'approcher. Je suis hors de portée. Ah, puis j'avais pas vu mes agonies.
Vous avez vu à quel point mon agonie a atteint le 10e niveau en a rien de temps, c'est ouf. Je dois d'abord choisir une cible. Je suis trop loin. Non, en temps normal, je dirais c'est super loin à faire, mais mon perso il fait tellement de dégâts que franchement c'est un plaisir à jouer là. Quand cette quête va être finie, je vais être là, comme un gosse. Oh, je peux garder ce pouvoir. Il me faut plus de mana. Je suis à court de mana, j'y crois pas, ça m'est pas arrivé depuis tellement longtemps d'être à court de mana. J'y vais moins vite parce que j'essaye de remonter en mana. On va attendre un peu. Juste attendre un petit peu que je récupère ma mana en fait. Parce que je m'attendais pas à dropper aussi vite ma mana en fait. En vrai, j'ai rien. J'ai pas droppé de potion qui me permettrait de. Non, j'ai rien pour rendre de la mana. Ah si, j'aurais des trucs si... Mais c'est anecdotique. Ah, et puis mon marcheur, il a disparu. Attendez, ça. Sérieusement, ces deux mobs-là, ils ont pas refait augmenter le pourcentage. Okay. Putain, eux, c'est 15%. Ok, non, mais je vais. Ok, je vais m'attaquer au gros, hein, parce que sinon, on n'est pas sorti quand même. Thank you.
C'est parti. En vrai, chose que je fais jamais, même j'attaque même au corps à corps du coup. Là, j'étais un peu gourmand là. Oh, ça va. J'ai drainé masse de madame et ouais, eux ils arrivent à abattre mon marcheur.
dommage que ce soit bientôt fini. Allez, c'est les deux derniers. Va vraiment falloir que je me sépare de ce pouvoir. Dommage, c'était bien. Puisse votre quête être fructueuse. Nul besoin d'espoir pour faire son devoir. Maintenant que les automas sont calmés, il ne nous reste plus qu'une chose à faire. Vous escorter, vous et votre compagnon éclairé jusqu'au catalyseur de création. Pour le reste, ce sera à vous de voir restaurer la clé de transport à l'aide du catalyseur de création. Avant toute. Oh, rendez-moi ce pouvoir, s'il vous plaît, rendez-moi ce pouvoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Ah, le con! C'était pour le retour. J'avais pas compris que le truc à droite, c'était pour le retour. Oh. Il y a des symboles. Ok, du coup. Oui. Commençons. Vous devez activer les symboles dans le bon ordre. Ok. Là, un autre. Là-bas. Bien joué. Là, je le vois. Si c'est dans le sens horaire à partir de celui-là, je m'éclate par contre. Un nouveau symbole. C'est celui-là là-bas. Continuez. Ah, un symbole. C'est bon. C'est simple. La case suivante, vite. Ah, c'est un carré, c'est le carré... Continuez. Ok. Là, un autre. Et je vais faire ça longtemps ou... Ok.
salutations. Oui. Ok. Vous avez secouru bon nombre de pèlerins et j'ai restauré votre accès au sépulcre. Voilà qui permet. Voilà qui met un terme à notre collaboration ainsi qu'à mon pèlerinage. Vous, en revanche, vous avez encore du chemin à parcourir. Regagnez le surplomb derrière la grâce du pèlerin et ouvrez le transposeur. Je vous remercie, M. Jeux Normands. Nos aventures se sont avérées édifiantes. Regagnez le surplomb derrière la grâce du pèlerin. Et vous recevrez la récompense jambière chlorale qui peau molle. Qu'en soit, je pourrais vendre, mais qui est bien. Bonne chance dans vos aventures. Écoute, hein. Ça, ça a été plus rapide, alors. Bon, ben, on est parti. Bon, il n'y a pas de secret, je vais devoir y aller à pince. Ouais, devoir y aller à pince. Eh ben on aura crapahuté, hein. Le territoire est pas grand, mais qu'est-ce qu'on aura crapahuté dedans? Si le geôlier a réussi à entrer dans le sépulcre, il est à deux doigts de mettre son plan à exécution. Nous devons l'empêcher. Ma reine, heureux de vous revoir. Racontez-leur ce que vous m'avez dit. Vous avez tous été témoins de la...